Salut à tous, c'est Skyros, comment ça va? Bienvenue aujourd'hui pour le nouveau top 10 de Code QG spécial First Blood ou Premier Sang, ou encore comment déboîter l'ennemi avec style dès le début de partie. Si on commence tout de suite en 10 exemplaires, et on commence tout de suite à la 10ème place, on se retrouve avec Darky 4 qui est sur Black Ops 2, map détour. Boum au balista, mais c'est pas le balista, il lance un double tomahawk cross la map, et vous doutez bien ce qui va passer, bam bam, la double élimination, et la petite réaction où le mec il a fait un petit jouissement assez quand même étrange, on peut dire. 9ème place, on se retrouve avec The Fire Blood. Pré-shoot de Nukton, domination, et ce n'est pas au sniper. Petite originalité, un peu pupute, certes. Mais bref, au RPG, across the map, boum, la 5 on screen, voilà, 5 en un RPG. Je pense qu'il a dû vraiment être content sur le coup, mais les ennemis, j'imagine qu'ils ont dû rager un petit peu en les insultant de tous les noms, enfin en l'insultant lui. Mais en tout cas, bien joué à toi, puisque c'est un clip assez original. 8ème place, on se retrouve avec Enz Pops, qui est avec la SC 2010. Boum, ça commence très fort avec une quad feed directement pour commencer la partie sur Strike Zone en domination et le terminer avec une petite triple feed. Voilà, on peut dire qu'il a bien écrasé l'ennemi dès le début. Allez, 7ème place, on se retrouve avec Toxid qui est sur la map Vertigo, Tomahawk. Boum, la petite triple feed, le 4ème qui tente de s'échapper, qui veut pas être sur la quad feed, et boum, mon pote, t'es sur le code QG. Ça y est, c'est parti, belle quad feed, en tout cas, bien joué à toi. 6ème place, on se retrouve avec Jimos 34 qui jette son petit C4 sur la voiture. Boum, la triple kill, le 4ème qui était caché là et qui se fait tuer pour la quad feed. Il fonce dans le respawn ennemi pour une triple feed pour maintenir encore une fois la quad feed. Donc, bien joué à toi avec ta petite scorpion et un petit dernier kill pour la route. En tout cas, on peut dire que pour le début de partie, tu les as bien quand même roulé dessus. 5ème place, on se retrouve avec IRMLK qui va nous tenter un petit trickshot sur standoff, le pré-shoot en recherche et destruction qui fait plaisir avec ce petit DSR. Il va nous faire une petite combinaison assez sympathique avec un swap. Franchement, bien joué à toi. Petit coup de couteau, bien évidemment, pour couper les mouches en deux parce que tu es content. Et l'ennemi était là. On va voir un petit peu l'ennemi comment il va se mettre directement. Petit plongeon sur la trajectoire de la balle. On peut dire qu'effectivement, tu as eu raison de faire ce petit plongeon là puisque tu passes sur ce joli petit trickshot. Avec 4ème place, on se retrouve avec Freeze qui est au couteau balistique cette fois-ci sur la map cargo et qui a le petit spot justement pour le pré-shoot qui va nous jeter ses trois petits couteaux balistiques cross the map single single et pour finir la triple feed en headshot s'il vous plaît. Donc franchement, bien joué à toi puisque là franchement pour le headshot il faut vraiment bien le placer, le spot fait mal et toi t'as vraiment été efficace là-dessus, donc bien joué à toi. 3ème place, on se retrouve avec Pipititi Chaton 17 petit nom qui fait rire, mais par contre lui il fait pas rire du tout au pré-shoot parce qu'avec le noob tube, le lance-patate, on peut dire qu'il a vraiment le spot et il a fait super mal parce que les ennemis en face, faut se dire aussi, ils ont tenté de faire la même chose, ils ont tenté également de faire le pré-shoot et finalement ils se prennent une magnifique quad feed au noob across the map. Voilà, ça fait plaisir et on va voir avec le mode studio justement où se situent les ennemis et les ennemis qui étaient partis justement sur ce spot où généralement on va tenter un petit peu le trick shot. Je sais pas s'ils sont au snipe, mais ils ont l'air quand même d'être un peu au snipe et finalement bah ils vont se faire déboîter. Donc je pense qu'ils ont dû également encore une fois un peu rager. Effectivement, ça fait jamais plaisir de se faire tuer directement en début de partie. 2ème place, on se retrouve avec It's Vodka qui est sur la map Drone qui est une map quand même assez grande et vous allez voir ce qu'il va nous faire, un petit trick shot complètement across the map, across the world, et cerise sur le gâteau, vous allez voir que finalement avec le point de vue de l'ennemi c'est quand même assez marrant, il va arriver, donc finalement on peut dire qu'il est vraiment à une distance phénoménale pour le prendre directement et on va voir justement, boum, on le voit dans le viseur, donc franchement il nous a fait un petit zoom là dessus ce qui fait assez plaisir, vraiment bien joué à toi. Et 1ère place, on se retrouve avec Neki au DSR sur standoff pré-shoot. Vous allez voir qu'il a l'angle, il a la précision, il a l'effet KCT, il vise directement et boum, la quad. Voilà, quad directement, une balle calitre élimination avec ce petit DSR qui est vraiment mortel. Et vous allez voir que finalement l'angle fait très très mal. Les ennemis qui s'étaient précipités pour prendre B finalement se sont tous fait ratatiner. En tout cas, bien joué à toi pour cette magnifique quad. Et on voit à ta réaction que t'as du mal à y croire et t'es tout genre dans tous les sens comme ça. Tu dis putain, qu'est-ce que j'ai mis? Effectivement, t'as mis un clip de baiser. Vraiment bien joué à toi, mais bien joué également 10 participants parce que les clips étaient vraiment super bons. Je sais pas ce que vous avez pensé, mais en tout cas pour moi j'ai vraiment bien apprécié. Si vous avez apprécié ce top 10, n'hésitez pas à le faire savoir par commentaire. Si vous avez des questions, des n'importe quoi que vous avez envie de dire, vous avez la liberté d'expression, n'hésitez pas à le dire en dessous de la vidéo, en dessous de la description même. Et un petit pouce vert également, ça fait plaisir, c'est la récompense. Partagez la vidéo si vous pensez qu'elle pourrait intéresser d'autres personnes. Et pour le prochain top 10, vous l'envoyez votre clip à l'adresse qui s'affiche à votre écran et ça sera un spécial non-sniper. Voilà, alors pour tous les gens qui aiment faire des clips à toutes les armes sauf le sniper, pour tous ceux qui apprécient ça, c'est votre top 10. Ce top 10 est fait pour vous, pas de sniper. 10 clips 100% non-sniper, envoyez votre clip dès maintenant. En tout cas, pour ma part, je vous laisse, je vous souhaite une excellente journée, que du bonheur, que des bonnes choses. Et je vous dis à la fois prochaine. Allez, ciao, bye bye.